Maison de justice, bonjour. En fait, vous souhaitez faire une requête pour effacer le casier judiciaire. D'accord, le bulletin numéro 2 du casier judiciaire, en fait. Dans un premier temps, il faudra aller commander votre casier judiciaire. Quand vous allez retourner pour le consulter, à ce moment-là, vous leur demandez les documents pour constituer la requête. Je suis venu vous voir pour savoir quelle démarche il faut faire pour avoir une aide juridictionnelle. C'est pour quelle procédure ? Vous faites une requête. Une requête auprès du juge aux affaires familiales. Des affaires familiales, voilà. D'accord. Vous habitez quelle ville ? Pantin. Pantin ? Mmh. D'accord. Si vous voulez, je vous donne un rendez-vous aussi avec un avocat pour vous informer sur la procédure. Oui, d'accord. Ce sera bien. Ouais. Nous, on a les juristes de la DIL qui renseignent sur ces cas-là éventuellement. Oui, mais, il peut donner que le conseil. Hein. Oui, ouais, ça s'arrête, ça se limite au conseil. Hein, par contre, il accompagne pas. Les avocats ici ne prennent pas les dossiers, non. Au cœur de Pantin, la maison de justice et du droit se situe tout près du marché, à 15 minutes du tribunal de grande instance. Le greffier, premier interlocuteur de l'usager en quête de réponse juridique, l'oriente, le cas échéant, vers un avocat, juriste ou intervenant associatif. Au cours de permanences gratuites et confidentielles, les intervenants décortiquent, expliquent et dédramatisent toute situation rencontrant un problème lié à la loi. Je suis amenée en fait à recevoir des personnes qui souhaitent obtenir des informations d'ordre juridique ou administratif. Cela peut concerner aussi le droit du travail, avec toutes les questions sur le contrat de travail. Ça peut être des questions aussi en droit des étrangers, en droit pénal, puis d'autres domaines aussi du droit. C'est surtout de l'information. C'est de l'orientation aussi. Donc, on peut les orienter vers des associations, par exemple, en droit de la consommation, quand c'est un problème de droit de la consommation. En fait, il s'agit de ne pas laisser les gens sans réponse. Il faut qu'ils puissent avancer dans leur démarche. Pour tel problème, on va dire que les gens ont le choix entre ceci, ceci et ceci. Mais l'avocat, peut-être, va les orienter plus vers un point plutôt que vers un autre. On a une oreille ici. Elle m'a orienté vers des institutions. Pas des institutions, mais c'est des trucs que je dois faire, que je ne connaissais pas avant. J'ai encore une petite point d'interrogation sur certaines choses, mais par rapport à ce que j'étais venue chercher, oui. Et maintenant, je sais où je dois aller, les démarches que je dois entreprendre pour avoir des réponses et pour que ça ne prenne pas trop de temps. Déjà, dès demain, je sais où je dois me diriger, où je dois aller. Quoi. C'est à côté, c'est facile d'accès. Il n'y a pas de souci. Les personnes nous arrivent en gros de deux façons. Hein. Soit elles nous arrivent spontanément. On a aussi beaucoup de situations qui nous arrivent par le tribunal. Hein. C'est-à-dire que donc ce sont des personnes qui ont fait une requête auprès du juge aux affaires familiales et le juge les invite à venir en médiation. C'est une démarche volontaire, c'est confidentiel. Le médiateur, il est neutre. Il est là pour aider chacun à s'exprimer. Hein. On est là pour poser un cadre, et un cadre qui favorise la communication. Dans les villes où il y a des maisons de justice, c'est vrai que c'est une façon hein, de se rapprocher de la population, de rendre la justice plus accessible. Hein. Le fait qu'il y ait dans une maison de justice des avocats, des associations, etc., tout ça est complémentaire. La maison de justice et du droit offre également un lieu d'accueil aux personnes plus démunies. Victimes de vol, de violence, de discrimination et autres infractions pénales. Nous sommes là pour proposer aux victimes d'infractions pénales un lieu d'accueil, d'écoute et un accompagnement, principalement sur deux aspects, l'aspect juridique et l'aspect psychologique. Donc on va être amené à recevoir la victime à tout moment de la procédure, ça peut être avant le dépôt de plainte, ou des personnes parfois qui hésitent à déposer plainte, c'est un accompagnement qui n'est pas forcément exclusif. Mais c'est vrai qu'on ne va pas forcément nous lâcher la victime dès qu'elle a un avocat. Premier pas pour sortir d'une situation difficile et douloureuse, la maison de justice et du droit est un lieu où s'exprime la solidarité nationale. Donc, vous êtes en procédure de divorce. Et là, comme elle ne savait pas où elle en était, donc j'ai pris un petit peu la peine de téléphoner l'avocat pour savoir un peu où elle en est juridiquement avec ses démarches. Non, l'argent des allocations, on peut le faire, par exemple, les APL, verser directement aux propriétaires. On s'occupe beaucoup des femmes victimes de violences conjugales, donc qui va avec les requêtes de pension alimentaire, des requêtes d'enfants naturels. Là, vous allez demander un divorce pour faute. Oui. D'accord ? Donc, il y aura des éléments. Les coups et blessures, ce sera des éléments, des preuves. Et donc c'est pour banaliser un petit peu
le langage juridique aussi. J'oriente, je dis voilà, vous pouvez aller voir l'assistante sociale, vous pouvez aller voir un psychologue, on est plus à l'écoute. Accès aux droits, aide aux victimes, la maison de justice et du droit est aussi une présence judiciaire à Pantin. Sous la direction du procureur du tribunal de grande instance, les délégués du procureur y traitent la petite délinquance. Recevant des majeurs et mineurs auteurs de vols, violences, dégradations et incivilités, le délégué du procureur met en œuvre une mesure dite d'alternative aux poursuites. Je suis tenue de faire un procès-verbal de notre audience, et donc il me faut vos pièces d'identité. J'ai une réquisition contre vous, jeune homme, pour un vol. Donc là, aujourd'hui, le procureur m'a demandé de vous recevoir pour vous faire un rappel de la loi. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, donc, vous n'avez pas d'inscription au casier judiciaire. Mais votre dossier, il est quelque part au tribunal. Maintenant, vous êtes connu des services de police et de la justice. Qu'est-ce que vous avez retenu? Si je continue, je vais aller au tribunal. Vous avez aujourd'hui un avertissement solennel. Poursuivant l'idée de réparer rapidement les effets de l'infraction tout en assurant une certaine forme d'éducation citoyenne, ces mesures sont une réponse pénale concrète et adaptée. Et moi, en clair, je ne veux plus vous revoir. En 2007, la MJD de Pantin a orienté 2584 usagers au cours de ses permanences d'information juridique. Elle a assuré l'exécution de 1550 mesures judiciaires pénales.